Victime de formation de caillots de sang dans les veines, Emers Faé vient d'arrêter sa carrière de footballeur à seulement 27 ans. Une grande perte pour la Côte d'Ivoire, qui se voit privée d'un joueur de talent. Pour lui apporter le soutien de la Fédération Ivoirienne de Football et de l'ensemble de la sélection ivoirienne, le président de la FIFA, Sidy Diallo, a fait venir le joueur à Libreville hier. Grosse surprise pour Zaoui et ses poulains. Que d'émotion! Merci, attendez pas. Du tout. Franchement, je suis vraiment heureux de voir Emers ici. C'est notre frère, tout ça. Et ça venu ici, va nous booster. C'est un autre souffle qu'on reçoit là ce soir, franchement. Faye et Hermès auraient voulu le faire, auraient voulu être là aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas. Eux, ils sont là. On voulait qu'ils sachent et qu'ils voient ce que ça représente d'avoir cette chance-là, ce bonheur. Le destin fait que je n'ai pas pu. Donc ça me fait plaisir d'être là, d'accompagner mes frères. Et accompagner mon équipe. Je considère toujours que c'est mon équipe. Ça me fait plaisir qu'ils aient pensé à moi. Donc je pense que dans beaucoup d'équipes nationales, on m'aurait oublié et on n'aurait pas cherché à apprendre de mes nouvelles. Je suis venu pour les encourager, je suis venu aussi pour les booster, pour leur dire aussi qu'ils ont la chance de pouvoir jouer. Moi, j'aurais tant aimé jouer, j'aurais tant aimé participer à cette CAN. Malheureusement, ma Satan, on a voulu autrement. Donc moi, j'espère que ça les boostera et qu'ils auront envie, en plus de pour eux, pour moi, d'aller chercher cette carte.